Je vais lire pour vous le Chronique chapitre 28 et chapitre 29. De Chronique chapitre 28. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David son père. Il marcha dans les voies des rois d'Israël, et même il fit des images en fonte pour les Baals. Il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom, et il fit passer ses fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. L'Éternel, son Dieu, le livra entre les mains du roi de Syrie. Et les Syriens le battirent et lui firent un grand nombre de prisonniers qu'ils emmenèrent à Damas. Il fut aussi livré entre les mains du roi d'Israël, qui lui fit éprouver une grande défaite. Pekach, fils de Remalia, tua dans un seul jour en Juda 120 000 hommes, tous vaillants, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Zikri, guerrier d'Éphraïm, tua Maaséja, fils du roi, Azricam, chef de la maison royale, et Elkana, le second après le roi. Les enfants d'Israël firent parmi leurs frères 200 000 prisonniers, femmes, fils et filles, et ils leur prirent beaucoup de butin qu'ils emmenèrent à Samarie. Il y avait là un prophète de l'Éternel nommé Oded. Il alla au devant de l'armée qui revenait à Samarie et il leur dit: c'est dans sa colère contre Juda que l'Éternel, le Dieu de vos pères, les a livrés entre vos mains. Et vous les avez tués avec une fureur qui est montée jusqu'au ciel. Et vous pensez maintenant faire des enfants de Juda et de Jérusalem vos serviteurs et vos servants? Mais vous, n'êtes-vous pas coupable envers l'Éternel, votre Dieu? Écoutez-moi donc, et renvoyez ces captifs que vous avez faits parmi vos frères, car la colère ardente de l'Éternel est sur vous. Quelques-uns d'entre les chefs des fils d'Éphraïm, Azaria, fils de Jochanan, Berekia, fils de Meshilemoth, Ézéchias, fils de Shalom, et Amasa, fils de Adlaï, s'élevèrent contre ceux qui revenaient de l'armée et leur dirent: vous ne ferez point entrer ici des captifs, car pour nous rendre coupables envers l'Éternel, vous voulez ajouter à nos péchés et à nos fautes? Nous sommes déjà bien coupables et la colère ardente de l'Éternel est sur Israël. Les soldats abandonnèrent les captifs et le butin devant les chefs et devant toute l'assemblée. Et les hommes dont les noms viennent d'être mentionnés se levèrent et prirent les captifs. Ils employèrent le butin à vêtir tous ceux qui étaient nus. Ils leur donnèrent des habits et des chaussures. Ils les firent manger et boire. Ils les oignirent, ils conduisirent sur des ânes tous ceux qui étaient fatigués. Et ils les menèrent à Jéricho, la ville des palmiers, auprès de leurs frères, puis ils retournèrent à Samarie. En ce temps-là, le roi Akaz envoya demander du secours au roi d'Assyrie. Les Édomites vinrent encore, battirent Juda et emmenèrent des captifs. Les Philistins firent une invasion dans les villes de la plaine et du midi de Juda. Ils prirent Beth-Shemesh, Ajalon, Gedéroth, Soko et les villes de son ressort, Timna et les villes de son ressort, Gimzo et les villes de son ressort, et ils s'y établirent. Car l'Éternel humilia Juda à cause d'Akaz, roi d'Israël, qui avait jeté le désordre dans Juda et commis des péchés contre l'Éternel. Tilgath-Pilnézer, roi d'Assyrie,
vint contre lui, le traita en ennemi et ne le soutint pas. Car Akaz dépouilla la maison de l'Éternel, la maison du roi et celle des chefs, pour faire des présents au roi d'Assyrie, ce qui ne lui fut d'aucun secours. Pendant qu'il était dans la détresse, il continuait à pécher contre l'Éternel, lui, le roi Akaz. Il sacrifia au dieu de Damas qu'il avait frappé et il dit, « Puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je leur sacrifierai, je les sacrifierai pour qu'ils me secourent. » Mais ils furent l'occasion de sa chute et de celle de tout Israël. Akaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu et il mit en pièces les ustensiles de la maison de Dieu. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel. Il se fit des autels à tous les coins de Jérusalem. Et il établit des hauts lieux dans chacune des villes de Juda pour offrir des parfums à notre Dieu. Il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu de ses pères. Le reste de ses actions et toutes ses voies, les premières et les dernières, cela est écrit dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Akaz se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de Jérusalem, car on ne le mit point dans les sépulcres des rois d'Israël. Et Ézéchias, son fils, régna à sa place. Deux Chroniques, chapitre 29. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abija, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les lévites. Il assembla dans la place orientale et il leur dit, « Écoutez-moi, Lévite, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné le regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi, la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem. Et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère ne se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Et les Lévites s'élevèrent. Machat, fils d'Amazaï, Joël, fils d'Azaria, des fils de Kéatsit, des fils de Merarit, Kis, fils d'Abdi, Azaria, fils de Jéaléléel, et des Gershonites, Joach, fils de Zima, Eden, fils de Joach, et des fils d'Élis, et des fils d'Élis sa femme, Shimri et Jéel, et des fils d'Azaph, Zacharie et Matania, et des fils d'Eman, Jéel et Shimei, et des fils de Jedutun, Shemaya et Uziel,
ils réunirent leurs frères et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel, selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel. Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Akaz avait profanés pendant son règne lors de ses transgressions. Ils sont devant l'autel de l'Éternel. Le roi Ézéchias se leva de bon matin, assembla les chefs de la ville et monta à la maison de l'Éternel. Ils offrirent 7 taureaux, 7 béliers, 7 agneaux et 7 boucs en sacrifice d'expiation pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Juda. Le roi ordonna aux sacrificateurs, fils d'Aaron, de les offrir sur l'autel de l'Éternel. Les sacrificateurs égorgèrent les bœufs et reçurent le sang qu'ils répandirent sur l'autel. Ils égorgèrent les béliers et répandirent le sang sur l'autel. Ils égorgèrent les agneaux et répandirent le sang sur l'autel. On amena ensuite les boucs expiatoires devant le roi et devant l'assemblée qui posèrent leurs mains sur eux. Les sacrificateurs les égorgèrent et répandirent leur sang au pied de l'autel en expiation pour les péchés de tout Israël. Car c'était pour tout Israël que le roi avait ordonné l'holocauste et le sacrifice d'expiation. Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes, selon l'ordre de David, de Gad le voyant du roi, et de Nathan le prophète, car c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Les Lévites prirent place avec les instruments de David, et les sacrificateurs avec les trompettes. Ézéchias ordonna d'offrir l'holocauste sur l'autel. Et au moment où commença l'holocauste, commença aussi le chant de l'Éternel, au son des trompettes et avec accompagnement des instruments de David, roi d'Israël. Toute l'assemblée se prosterna, on chanta le cantique et l'on sonna des trompettes, le tout jusqu'à ce que l'holocauste fût achevé. Et quand on eut achevé d'offrir l'holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui fléchirent le genou et se prosternèrent. Puis le roi Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David et du prophète Asaph. Et ils le célébrèrent avec des transports de joie et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ézéchias prit alors la parole et dit, « Maintenant que vous vous êtes consacrés à l'Éternel, approchez-vous, amenez des victimes et offrez un sacrifice d'action de grâce à la maison de l'Éternel. » Et l'assemblée amena des victimes et offrit des sacrifices d'action de grâce. Et tous ceux dont le cœur était bien disposé offrirent des holocaustes. Le nombre des holocaustes offerts par l'assemblée fut de 70 bœufs, 100 béliers et 200 agneaux. Toutes ces victimes furent immolées en holocauste à l'Éternel. Et l'on consacra encore 600 bœufs et 3000 brebis. Mais les sacrificateurs étaient en petit nombre et ils ne purent dépouiller tous les holocaustes. Leurs frères, les Lévites, les aidèrent jusqu'à ce que l'ouvrage fût fini et jusqu'à ce que les autres sacrificateurs se fussent sanctifiés. Or, les Lévites avaient eu plus à cœur de se sanctifier que les sacrificateurs. Il y avait d'ailleurs beaucoup d'holocaustes avec les graisses des sacrifices d'action de grâce et avec les libations des holocaustes. Ainsi fut rétabli le service de la maison de l'Éternel. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait bien disposé le peuple, car la chose se fit subitement. Parole du Seigneur. Amen. Amen.
I'm going to be reading 2 Chronicles 28 and 29. Corinthians 28. Ahaz reigned in Judah. Ahaz was 20 years old when he became king, and he reigned 16 years in Jerusalem. He did not do what was right in the sight of the Lord, as his father David had done. For he walked in the ways of the kings of Israel and made molded images for the Baals. He burned incense in the valley of the son of Hinnom and burned his children in the fire, according to the abominations of the nation whom the Lord had cast out before the children of Israel. And he sacrificed and burned incense on the high places, on the hills, and under every green tree. Syria and Israel defeat Judah. Therefore, the Lord his God delivered him into the hands of the king of Syria. They defeated him and carried away a great multitude of them as captives, and brought them to Damascus. Then he was also delivered into the hand of the king of Israel, who defeated him with a great slaughter. For Pekah the son of Remaliah killed 120,000 in Judah in one day, all valiant men, because they had forsaken the Lord God of their fathers. Zikri, a mighty man of Ephraim, killed Maaseiah, the king's son. Azlikam, the officer over the house, and Elkanah, who was the second to the king, and the children of Israel carried away captives of their brethren, 200,000 women, sons, and daughters, and they also took away much spoil from them, and brought the spoil to Samaria. Israel returns the captives. But a prophet of the Lord was there, whose name was Oded. And he went out before the army that came to Samaria and said to them, "Look, because the Lord God of your fathers was angry with Judah, he has delivered them into your hand, but you have killed them in a rage that reaches up to heaven. And now you propose to force the children of Judah and Jerusalem to be your male and female slaves. But are you not also guilty before the Lord your God? Now hear me. Therefore, in return, the captives whom you have taken captive from your brethren, for the fierce wrath of the Lord is upon you. Then some of the heads of the children of Ephraim, Azariah the son of Johanan, Berechiah the son of Meshilemoth, Jehizkiah the son of Shalom, and Amasa the son of Hadlai, stood up against those who came from the war and said to them, 'You shall not bring the captives here, for we already have offended the Lord. You intend to add to our sins and to our guilt, for our guilt is great, and there is fierce wrath against Israel.' So the armed men left the captives and spoil before the leaders and all the assembly. Then the men who were designated by name rose up and took the captives, and from the spoil they clothed all who were naked among them, dressed them and gave them sandals, gave them food and drink, and anointed them. And they let the feeble ones ride on donkeys. So they brought them to their brethren at Jericho, the city of palm trees. Then they returned to Samaria. Assyria refuses to help Judah. At the same time, King Ahaz sent to the king of Assyria to help him. For again, the Edomites had come, attacked Judah, and carried away captives. The Philistines also had invaded the cities of the lowland in the south of Judah, and had taken Beth Shemeth, Ajalon, Gederoth, Soshah, and its villages, Timnah with its villages, and Gimzo with its villages, and they dwelt there. For the Lord brought Judah low because of Ahaz, king of Israel, for he had encouraged moral decline in Judah, and had been continually unfaithful to the Lord. Also Tiglath-Pileser, king of Assyria, came to him and distressed him, and did not assist him. For Ahaz took part of the treasures from the house of the Lord, from the house of the king, and from the leaders, and he gave it to the king of Assyria, but he did not help him. Apostasy and the death of Ahaz. Now in the time of his distress, King Ahaz became increasingly unfaithful to the Lord. This is that King Ahaz.
for he sacrificed to the god of Damascus, which he had defeated him, saying, because the gods of the kings of Syria helped them, I will sacrifice to them that they may help me. But they were the ruin of him and all of Israel. So I have gathered the articles of the house of God, cut in pieces the articles of the house of God, shut up the doors of the house of the Lord, and made for himself altars in every corner of Jerusalem. And in every single city of Judah, he made high places to burn incense to other gods and provoke to anger the Lord God of his fathers. Now the rest of his acts and all his ways from first to last, indeed they are written in the book of the kings of Judah and Israel. So Ahaz rested with his fathers, and they buried him in the city in Jerusalem. But they did not bring him into the tomb of the kings of Israel. Then Hezekiah his son reigned in his place. Two Chronicles 29. Hezekiah reigns in Judah. Hezekiah became king when he was 25 years old, and he reigned 29 years in Jerusalem. His mother's name was Abijah, the daughter of Zechariah. And he did what was right in the sight of the Lord, according to all that his father David had done. Hezekiah cleanses the temple. In the first year of his reign, in the first month, he opened the doors of the house of the Lord and repaired them. Then he brought in the priests and the Levites, gathered them in the east square, and said to them, "Hear me, Levites, now sanctify yourselves, sanctify the house of the Lord, God of your fathers, and carry out the rubbish from the holy place. For our fathers have trespassed and done evil in the eyes of the Lord our God. They have forsaken him, have turned their faces away from the dwelling place of the Lord, and turned their backs on him. They have also shut up the doors of the vestibule, put out the lamps, and have not burned incense or burnt offerings in the holy place to the God of Israel. Therefore the wrath of the Lord fell upon Judah and Jerusalem, and he has given them up to trouble, to desolation, and to jeering. As you see with your eyes, for indeed, because of this, our fathers and our sons, our daughters and our wives are in captivity. Now it is in my heart to make a covenant with the Lord God of Israel, that his fierce wrath may turn away from us. My sons, do not be negligent now, for the Lord has chosen you to stand before him to serve him, and that you should minister to him and burn incense." Then these Levites arose, Mahath the son of Amasai, and Joel the son of Azariah, of the sons of Kohathites, of the sons of Merari, Kish the son of Abdi, and Azariah the son of Jehaleleh, of the Gershonites, Joah the son of Zimmah, and Eden the son of Joah, one of the sons of Elizaphan, Shimri, and Jair, of the sons of Asaph, Zechariah, and Mataniah, of the sons of Heman, Jehel, and Shimei, and of the sons of Jeduthun, Shemaiah, and Uzzel. And they gathered their brethren, sanctified themselves, and went according to the commandment of the king, at the words of the Lord, to cleanse the house of the Lord. Then the priests went into the inner part of the house of the Lord to cleanse it, and brought all the debris that they found in the temple of the Lord to the court of the house of the Lord. And the Levites took it out and carried it to the brook Kidron. Now they began to sanctify on the first day of the first month. And on the eighth day of the month, they came to the vestibule of the Lord. So they sanctified the house of the Lord in 8 days. And on the 16th day of the first month, they finished. Then they went into King Hezekiah and said, "We have cleansed all the house of the Lord, the altar of burnt offerings with all of its articles, and the table of the showbread within all of its articles. Moreover, all of the articles which King Ahaz in his reign had cast aside in his transgression, we have prepared and sanctified, and there they are before the altar of the Lord." Hezekiah restores temple worship. Then King Hezekiah rose early, gathered the rulers of the city, and went up to the house of the Lord. And they brought seven bulls, seven rams, seven lambs,
and 7 male goats for a sin offering for the kingdom, for the sanctuary, and for Judah. Then he commanded the priests, the sons of Aaron, to offer them on the altar of the Lord. So they killed the bulls, and the priests received the blood and sprinkled it on the altar. Likewise, they killed the rams and sprinkled the blood on the altar. They also killed the lambs and sprinkled the blood on the altar. Then they brought out the male goats for the sin offering before the king and the assembly, and they laid their hands on them, and the priests killed them. And they presented their blood on the altar as a sin offering to make an atonement for all Israel. For the king commanded that the burnt offering and the sin offering be made for all Israel. And he stationed the Levites in the house of the Lord with cymbals, with stringed instruments, and with harps, according to the commandment of David, of God the king's seer, and of Nathan the prophet. For thus was the commandment of the Lord by his prophets. The Levites stood with the instruments of David, and the priests with the trumpets. Then Hezekiah commanded them to offer the burnt offering on the altar. And when the burnt offering began, the song of the Lord also began, with the instruments and with the instruments of David, king of Israel. So all the assembly worshipped, the singers sang, and the trumpeters sounded. All this continued until the burnt offering was finished. And when they had finished offering, the king and all who were present with him bowed and worshipped. Moreover, King Hezekiah and the leaders commanded the Levites to sing praise to the Lord with the words of David and of Asaph the seer. So they sang praises with gladness, and they bowed their heads in worship. Then Hezekiah answered and said, "Now that you have consecrated yourself to the Lord, come near and bring sacrifices and thank offerings into the house of the Lord." So the assembly brought in sacrifices and thank offerings, and as many as were of a willing heart brought burnt offerings. And the number of the burnt offerings which the assembly brought was 70 bulls, 100 rams, and 200 lambs. All these were for a burnt offering to the Lord. The consecrated things were 600 bulls and 3,000 sheep, but the priests were too few, so they could not skin all the burnt offerings. Therefore their brethren, the Levites, helped them until the work was ended, until the other priests had sanctioned themselves, for the Levites were more diligent in sanctifying themselves than the priests. Also the burnt offerings were in abundance, with the fat of the peace offerings, with the drink offerings for every burnt offering. So the service of the house of the Lord was set in order. Then Hezekiah and all the people rejoiced that God had prepared to the people, since the events took place so suddenly. The word of God for the people of God. Amen. Histoire, chapitre 28. Akaz te gen 20 ans le li moute wa peyi Jida. Li gouverne nan la ville Jérusalem pendant 16 ans. Mais li pa fè sa ki droit devant Seyen ya. Bon Dieu li ya, tankou David zansèt li ya te fèl. Li te pito fè tankou wa peyi Israël yo, li menm rive fè estati an cuivre pou Baal yo. Li fè boule l'ansan pou yo nan fon beni won nan. Li ofri pou petit garçon yo pou boule yo d'apre vie principe criminel nation seyen a te mete de yo pou fè plas pou moun Israël. Li fè touye bet boule l'ansan nan tout temp zidol yo. Sou ti moun yo ak an ba gwo pye bwa. Pou tèt tout bagay sa yo, seyen a bon di akaz la gel nan men wap e isiri ya.
moun siri yo bat li. Yo fè an pil moun peyi a prizonye. Yo mene yo ba la vil Damas. Konsa tou, Senya la gel nan men wapè Israel la ki bat li bien bat. Se konsa, yon sel jou peka, pitit Remalia, touye 120 mil soldat, tout vanyan gason, nan peyi Jida. Paske pep la te vire do bay Senya ya, bon jezan set yo wa. Zikri, yon vanyan soldat peyi Efraim, touye ma mesaje. Pitit wa, Azrikam, chef palea, Akelkana, chef ki vin apre wa. A tout moun peyi Jida yo te fami moun peyi Israel yo, moun peyi Israel yo fè 200 000 moun prizonye, fam ak ti moun. Yo piye peyi ya, yo pren yon paket bagay pou te ale la vil Samari. Nan la vil Samari, te gen yon moun yo te rele Obed, ki te profet bon Dje. Li soti ak al kontre la me moun peyi Israel yo, ki ta prive la vil Samari. Li di yo, Seyen ya, bon Jezan set nou yo, te fache sou moun peyi Jida yo. Se poutet sa, sali la ge yo nan men nou. Men kou liye ya, bon Jetande ki jan moun nou men nou ansasine yo ak raj. Kou liye ya men, nou soti pou nou fe moun peyi Jida ak moun la vi Jerizalem yo toune esklav pou servi nou. Men nou menm, poutèt pa nou, lè nou fè sa, eske nou pa fè sa ki mal tou devan Seyen a bon Dje nou an? Koute sa map di nou, prizonye sa yo se frè ak se nou yo ye. Kite yo toune la ka yo, paske sen sou nou Seyen a mouve kou liye a. Lè sa, kat nan gwo chef moun pe Efraim yo, Azaria pitit Jokanan, Berekia pitit Mesilemot, Ezekia, pitit Shalom, ak Amasa, pitit Adlai, leve derye moun ki te sorti nan la gey. Yo di yo, pa mene prizonye sa yo isit la. Si nou fè sa nan an tan devan Seyen ya, nou deja fè kont peche nou kon sa. Seyen a tou mouve sou pep Israel la, pou nan vin mete ankor sou sa nou fè ki mal ak sou peche nou yo. Se kon sa solda yo remet prizonye yo a tout sa yo te pran bay chef yo a tout pepla. Le sa, yo chwazi 4 mam mesye sa yo pou yo responsab prizonye yo. Yo pran rad nan bagay solda yo te piye yo, yo mete yo sou moun ki te toutouni yo. Yo biye yo, mete sapat nan piye yo, yo ba yo manje, yo ba yo bwe. Yo mete remet sou tout kote yo te blese. Yo te fè tout sa ki te trop feb yo moute bourik. Yo mene tout prizonye yo toune la vil Jericho, la vil Palmis yo, yo remet yo bay fami yo. Le fini, yo toune yo la vil Samari. Le sa, wak azwe mande wapè yi la Siria se kou. Paske moun peyi e don yo te fè yon pase nan peyi ya anko. Yo bat la me peyi Jida, yo fè an pil moun prizonye. Moun Filisti yo, bopa yo menm, ta piye la vil peyi Jida yo ki te nan piye moun yo te ak nan zon Negev yo. Yo pran pou yo la vil sa yo, Bet Shemes, Ajalon, Gedewot, Soko, Timna ak Jimzo, ansanm ak tout ti bouk ki te sou zot la vil sa yo. Yo rete la dan yo. Seyen te voye tout male sa yo sou peyi Jida pou tèt akaz, wa peyi Jida. Ki te pousse pep la neglije bon Dje yo a epi ki pou tèt pal te vire do bon bay bon Dje net meti glad pi le sen wa peyi la Siria vin atake wa akaz pito pase pou lede li kraze pi mal se kon sa akaz pran denye bagay ki gen vale nan kay Seyen ya nan pale wa ak la kay chef yo li fe wa peyi la Siria kado men sa pa te servi nan rien. Pada tout tan yo tap kraze l kon sa, nom yo bay pou wa akaz la, tap donen pi mal nan pa servi Seyen ya. Li tap ofri bet pou yo touye pou bon Dje moun la vil Damas yo ki te bat li. Li tap di nan kel, bon Dje wapè isi yo te ede yo. Si moun fè servis pou yo, ya ede m tou.
mais ces services bon Dieu ça yo même qui la cause mal les pays rivé ni li ni peuple Israël là. Akaz prend tout vaisseau qui était dans temps bon Dieu a l'écrasé en miettes morceau. Li condamné pour temps Seigneur. Li fait l'autre l'hôtel pour l'autre bon Dieu yo tout partout dans la ville de Jérusalem. Li bâti temple dans toute la ville à Tibouk dans pays Juda pour bouler l'encens pour l'autre bon Dieu yo. C'est comme ça li fait Seigneur à bon Dieu sans cette yo fâché en pile sous lui. Toute les histoires à Kaza à tout ça li t'ai fait depuis premier jour li t'ai monté wa rivé jour dernier jour n'a joint tout ça écrit dans livre histoire wa pays Juda à quoi pays Israël. Les li mouri yo enterré la vie Jérusalem mais yo pas te mettre dans tombe wa Israël yo. C'est que si Ézéchias petit li qui monté wa dans place li. Histoire chapitre 29. Ézéchias te gen 25 ans lè li monte roi pays Juda. Li gouverne dans la ville Jérusalem pendant 29 ans. Maman te rele Abija. C'était petite fille Zacharie. Ézéchias te fait ça qui droit devant Seigneur en tant que David son cette cria te fait. Ézéchias te gen un mois depuis li te roi. Lè li ouvri tout porte dans top Seigneur, li fait réparer. Lè fini, li fait chercher tout prêtre yo ak moun levi yo, li réuni yo sous la cour qui baille sous bon soleil levé dans temple. Li di yo, nous même famille levi yo, koute sa m'ap di nou. Mettez nous dans condition pour faire service pour Seigneur. Mettez top Seigneur, bon Dieu sans cette nou yo, dans condition pour yo ka faire service là-dedans pour lui. Ou te tout vie bagay yo te mette la dan, ki fe li pa nan kondisyon pou fe servis bon Dje. Zan set nou yo pat kembe parol yo ak bon Dje. Yo te fe sa ki mal devan Seyen, bon Dje nou an. Yo vire do bali, yo pat okipe tan kote Seyen arete a anko. Yo pa gade l men. Yo kondane tout pot nan temp lan, yo kite lamp yo mouri. Yo sispan boule lansan. Yo suspend boule bête dans temple pour bon Dieu peuple Israël là. C'est peut-être ça. Seigneur a été fâché en pile sous pays Juda et sous la ville Jérusalem. Tout monde t'est saisi, tout monde t'est paix, là où est ça qui rivé. Tout monde t'a passé yo dans bêtise, tant qu'on nous-mêmes avec propre genou tout. Yo touyé papa nous yo dans la guerre. Yo fait madame avec petite nous yo prisonnier. C'est comme ça moi prend décision jodi a. Pour me passer un contrat avec Seigneur, bon Dieu peuple Israël là, pour lui capable jamais mauvais sous moi encore. Coulier petite moi yo sous que connu. C'est nous-mêmes Seigneur a choisi pour toujours camper devant pour servir, pour faire travail, pour bouler l'ensemble pour lui. Mais mon Lévi qui vient porter tête en premier dans branche famille créat là, c'était ma carte. Petite Amasaï ak Joël petit Azaria dans branche famille Meraria c'était Kish petit Abdi ak Azaria petit Jealiel dans branche famille Gershon c'était Joak petit Zimna ak Eten petit Joak dans branche famille Elizapha c'était Chimri ak Jeiel dans branche famille Azafla c'était Zekaraja ak Metania dans branche famille Eman c'était Jeiel ak Chemei. Dans branche famille Jetounou, c'était Chemaja ak Uziel. Mais si ça yo réuni toute famille yo, yo fait service pour yo ka nan condition servi bon Dieu. Les fini yo entré dans temple pour mettre nan condition servi bon Dieu. Jean wa te bay l'autre là. D'après ça qui dans la loi Seigneur. Prête yon entre en dans temple pour mettre dans condition pour faire service bon Dieu. Yo prend tout vie bagay yo joine là-dedans. Yo pote yo dehors dans la cour temple. Mon levi yo même ramasse yo dans la cour. Yo al jeter yo dans ravine Cédron. Yo commencé travail là premier jour premier mois. Sous 8 jours, yo té rivé en dans côté qui a pas pour bon Dieu dans temple. Yo travail pendant 8 jours encore. Sous 16e jour mois, yo te fini net ak travail
pour mettre le temple dans la condition pour faire service bon Dieu encore. Là, vous fini, mon levi yo allé la caille église Ézéchias, yo dit mon wa, nous fin travail là. Nous mettez toute caille Seigneur, l'hôtel pour bouler offrande yo à toute batterie qui marchait avec yo. Tab pour pain yo, mettez à pas pour Seigneur à toute batterie pal yo tout dans condition pour faire service bon Dieu encore. Nous prenons tout vaisseau à cause de détourner pendant tout temps il était viré do bay bon Dieu. Nous réparer, nous mettez en condition pour faire service bon Dieu encore. Coulier a yo tout devant l'hôtel Seigneur. Dans demain matin bien bonné, wa Ézéchias levé, il réunit tout chef la ville là, il monté à qui on temple. Yo mené sur 7 petits taureaux, 7 béliers moutons, 7 petits moutons, 7 boucs cabri. Yo offri yo pour payer sous sa famille wa à tout monde peuple Juda yo te fait qui mal, à pour sa monde te fait qui mal dans temple. Wa amande prête yo moun fami araon yo pou yo touye bet yo sou l'hôtel Seigneur. Prête yo touye toro yo enfant. Yo ramase tout san nan vaisseau. Yo al vide sou la l'hôtel la. Après ça yo touye bélier mouton yo, yo al vide san yo sou l'hôtel la. Après ça encore, yo touye ti mouton yo, yo al vide san yo sou l'hôtel la tout. Là yo fini. Yo mené bouc cabri yo te offri pou péché yo devant wa ensemble ak lòt moun ki te la pou yo mete men sou yo tèt bèt yo. Lè yo fin fè sa, prèt yo touye bouc cabri yo, yo vide san yo sou l'hôtel la tankou yon ofran pou péché yo. Yo offri yo bay bon Dieu pou mande pardon pou péché tout pèp Israël la. Paske wa te bay lòt pou yo te boule ofran lan pou tout pèp Israël la. Wa Ézéchias mette moun levi nan tanp tenye ya avec cymbal, banjo ak gita. D'après règlement David, gad prophète wa, ensemble ak prophète Nathan te bay. Parce que tout lòt tenye ya vle bay, c'est nan bouche prophète li yo li toujou mette yo. Moun levi yo al nan plas yo ak instrument musique David yo. Prèt yo te la tou ak trompèt yo. Ézéchias bay lòt pou yo boule ofran yo net sou l'hôtel la. Lè yo komanse seremoni an, pèp la pran chante pou seyen ya. Yo tap konnen trompèt an menm tan yo tap joue lòt instrument mizik David ou ap Israël la. Tout moun ki te la yo mete a genou, mizisyen yo tap chante, yo tap konnen trompèt pendant tout seremoni boule ya. Lè yo fin boule ofran yo sou l'hôtel la, wa ak tout moun ki te la yo mette a genou, yo bese tèt yo jouk a tè devan bon Dje. Après ça, wa Ézéchias ak lòt chef yo mande moun levi yo pou yo chante pou Seigneur, chante David ak prophète Asaf te ekri pou fè louange Seigneur. Se kon sa tout moun tap chante ak kè kontan, an tan yo te a genou ak tèt yo bese jouk a tè. Lè sa, Ézéchias di pèp la, kou liye a nou menm ki mete tèt nou an pa pou fè servis Seyen a, proche nou, pote ofran nou ansanm ak bèt pou yo touye pou di bon Dje mèsi. Se kon sa tout pèp la pote bèt pou yo touye ak lòt ofran pou di bon Dje mèsi. Gen la dan yo ki te ofri bèt pou yo boule net pou bon Dje paske yo te vle fèl. Yo mene 70 taureau, 100 bélye, mouton ak 200 ti mouton pou yo te boule net pou Seyen a. Kon sa tou yo ofri 600 toro, 3000 mouton pou yo touye pou bon Dje. Men yo prèt yo pat an pil, yo pat ka koche tout bèt yo te ofri pou boule net yo. Se moun levi, moun menm fami ak yo ki te vin ede yo fin fè travay la. Jouk lòt prèt yo te fin mete yo nan kondisyon pou fè servis bon Dje a. Paske moun levi yo, te pi presse mete yo nan kondisyon pou fè servis bon Dje a pase prèt yo. Lè fini, san kote tout bèt yo te touye pou boule net pou Seyen a, prèt yo te gen pou ofri bay bon Dje gres lòt bèt yo pou mande bon Dje pardon ak ofran divin ki mache ak bèt yo boule net pou Seyen a. Se kon sa yo komanse ankò ak fè servis pou bon Dje nan temple. Wa Ézéchias ak tout pèp la te konnen deske, te kontan deske bon Dje te pèmèt yo fè tout sa san perdi
propre temps. Parole bon Dieu, pour paix bon Oh, 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 oh.